Moki mbangu alobaki totanga Bible en profondeur koto yeba lukuta pe solo eza na kati. Est-ce que recommandation wana to salaki to salaki te? Alobaki yango na kombo église mais na kombo ya biso nyonso totanga Bible na profondeur poto yeba solo pe lukuta ezali na kati. To salaki to salaki. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Ah wabalo bakaro banzambe bazamisatu bangomisatu bazaye loko moko. Bino mutu boyebisa biso makambo wana boyeza ya solo beza confusion bo chaki na mitula biso pe chabiso mbuema. Depuis 2000 ans, les chrétiens croient en un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu. Et pourtant, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et ni le Père ni le Fils ne sont le Saint-Esprit. C'est incompréhensible, mais ce n'est pas contradictoire. C'est incompréhensible, mais ce n'est pas contradictoire. Bino ba juif mutu boyebisa ki biso ke nzambe ya solo za kapai na bino nzamba ngosu ki penali tukoyeba te siko bino pe kuna kaka bobimisi ba nzambe bele bele bino conception na bino ya ndeni Hachem ce même Dieu l'éternel Echad il est un, c'est à dire quoi un, c'est à dire qu'il n'y a rien qui se passe sans lui, il n'y a rien hors de bongo ba musulman et loko nina ba arabe kuna bono boko definir nzambe lo lenge nini ponga ina kokopana ko sutuka sutuka قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسوتوكي أسوتوكي أسوتوكي كاكا نمانسوي كي تولينغي تو ديفلوبي لوكوتا يا كريستيانيزم يسو ووتا وابي بيميلا وابي اسكي ما كومي ازا نا بيبلي ازا يا سولو اسكي بيبلي ازا مكاندانا نزامبي awa wande na kati ya manswegi tolingi toyeba yango kolongwa na TVT ba makambo minene lingo bima lisusu na munoko ya le naturopathe awa wa mbutu mbutu lingo ya lisusu osutuki Sizingi papanza aye la tweti monanga uta tamana musambira ate yekuna ndu ombe be wiza oh wiza oh wiza wiza unza isa ombe be wiza oh wiza oh wiza wiza merci beaucoup ba tsana ba mama mbote malamu mboka na mboka pokwa kitoko pe ba mbote na bino nyonso ba jeune fille ba jeune mama ba jeune garçon et ba papa ba sambeli ba croya ba paganiste bino nyonso na biso batu otoko sambela kate batu a satan na ba mbote na bino ba politiciens solo solo pe ba mbote na bino ba ndeko nyonso bazali na YouTube ba kolanda ngai ba ndimi nyonso ya mantsweki o bazana na communauté internationale nyonso pe na diaspora ba kolanda ngai mama Monique na komona ba commentaire na yon awa eko chauffer mitu ya batu oko tcha batu na palpitation mama Monique ba mbote ebele na ba ndeko banso ba papa paku ba papa matondo ba papa dinzei ba ndeko ya YouTube ba ko komena nga mingi mingi awa ba mbuta cheri na na Londres wana ba mbuta sami dia kimosi na fruit du sud vraiment makambo eza bien parce que mpungu tulendo TV azali ko pesa sango na banalise a prendre ou a laisser kasi soki otiolo okena parke a laisser oko toko za laka boy na passe na biso de fort révolution contre na mitu na biso po ba cerveau ekende kitoko pokwa lelo ezali malamu parce que équipe mobimba ya mpungu tulendo TV ezali wana pe régie pe finale ezali ya ndeko na biso donc pe mba ko sala sana na tranche di bazabidi pe
bande ko bako travailler na kimpese wana ndeko denitonda pe ndeko na biso bienvenue bilafu chef technique ya RTCJ bazali wana bako travailler pourquoi pas miteramenga azali na boma pona ko zwa retransmission ndenge mamboko tambola pe bande ko ya RCB boma kuna to ko mona ndeko Milton Ndede ndeko César bazali kuna bako zwa émission manso ki na retransmission donc ba chaîne partenaire bako tambola na nsumu pona ko pesa pena ba makambo bako yoka makambo ndeko kendele bande ko nyonso ya Congo Central boma partout boko landa ngai bo vanda parce que makambo ngonga nango ekoki à la présentation ya émission. Les naturopathes, Jonas Ntsumbu, Mwana Mpungu Tulendo, Mpungu Tulendo, Mwana Nkongo Yende pour qu'on s'en aille à Pokwa Lelo, pour être beau solo la lissou sous la profondeur, pour être beau joua lissou sous connexion à Nenge ya grave, awa wa elingi penza éclaté lissou sous ndeti ba bombe ya Hiroshima, et ko koma penza explosion, donc, grave pour explosion et ça les mamalamu wanande to kozwa libonde li ya kafu kafu oyo tata Simoni Kimbangu mobiki si alobaki to sala yango matin midi soir kasi ngana comprendre bino mutu boko sambela Kimbangu wana neti boza ba ventilier bo melaso ba diamba soni nako comprendre bino ti nani atinda ki bino bo changer prière. Si vous êtes chrétien, ah, mais vous êtes Kimbangu, l'église Kimbangu, vous avez changé de prière, nani a pesi yo ordre. Moni boko na malédiction. Allez, prière à Kafka. Sambo, Lukuba matwa sambila. Sambo kwa yenu awonto zimbasi za kiandu kia kintinu kia zulu nto za zingu kietu. Sambo kwa beno zimbasi ntambwadi zikundanga kulumbu lwanzambi ampungu tulendu. Sambo kuvai kilanga ntangwa yikudimu kinanga ntangwa. Sambo kueste yiku ueste. Sambu kwa ngeye nzambi amvangi antemu ngumba loa mpinanza. Sambu kwa bienu awonto zimbasi zantutu yezazulu. Sambu kwa bienu awonto ziyalanga maza yetia. Sambu kwa ngeye ngudi amwanda Kongo. Sambu kwa beno mbasi za zonto za mvita ye ziyalanga kulumbu lwa Kongo. Ngeye wena nzambi ya moyo ngeti kufyongo nena ye kukumbilila ntangu za wontono mkumbu ya menga matengoka muzintumwa zeno za wonto ye mvwezolo au yikulombele dio ye yikutumini dio. O nzambi akalunga, nzambi azola, wiza yembasi zaku za mazulu yezantoto, mutulu la mabanza yibubu, beti tatamana vwezila zola kwa kintino kiaku. Ndombelevo mvita ya bwadiaka kumputu, mfasi mkanda wa ndombe, wasikama ye walenda diaka futukila kimbuta kiandi kikawombesa tukila muntangu anda bika luwa wanu luaku lwazituswa yebika wasakumuna nkangu wa Kongo ikanda ya ndombe wanti za wonsono za ntoto ingeta sangai ingeta ya bien bakisa lisusu ingeta ya bien
Ingeta, 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 ingeta. Merci beaucoup, batata ba mama. Awa watoko pesa basango wa présence bangunze za tellement ebelé pe suffisant. Ça dit toza sécurisé. Ndenge toza awa toza vraiment sécurisé parce que présence à mobix ezali awa, présence à tata ntwalani ezali awa, présence à tata onde ezali awa, présence à tata mpande ezali awa, présence ya mama kinzembo ezali awa, présence ya papa diangende ezali awa. Vraiment présence à bangunze ebelé ezali awa et baza vraiment ebelé pe bazo continuer koya pour nous soutenir collègues. Mutuna bango oyo akopesa ba makambo. Voilà bata ba mama, ndena la kaki bino na épisode totala ki la fois passée sur conseil de Nice. Parce que makambo to ko benga bonzambe awawa en réalité outa ki quelque part. Et outa ki quelque part. Alors, biso to sali effort ou teto yeba quelque part wana. Ozomona. Ba to sali effort to ba yebisi biso kaka pro. Oh mukimoko akufa na kuruzu makila na ye tangaki pona biso après balobi o mukanda tikaki na ba porte na ye o yango e balobi so wono kasi mukanda ngo ezana mwa mbutu mbutu na kati e na e bazalaka na kala yango yo ere koma ki pe ya sika yango donc oyo nzambe ya kala o peso ki nzambe sika ngana zoko ko definir te ba yebisi biso yango bango moko balakisi soki bolingi botanga yango ata otangi makambo mususu ozo expliquer makambo susu eza pe problème ya gravité. Donc il suffit kaka yo lwa kaka ba méthode moko boye kaka obalola balola kaka pour viki obana kozoka larme na opa bandimi pe osia misa colonisation. C'est-à-dire na ebite su mambune bino boko komba ningana zo comprendre yango. Alors ba yebisi biso pe alors mukanda oyo na ba na bunda nzambe oto lakisi bino boluka kutu kokota na profondeur te. Boluka kutu kokota na profondeur te. Mukolo bokolo kokota na profondeur okoko lauka okoko zo maliboma donc eza un peu moins compliqué bo bondenge tozo yebisa bino boye bo luka penza kota na profondeur te nabike bande ko boko luka kobenga kasi boko zala un peu patient parce que makambo awa to kosala awa eza moins pas simuki. Très bien. Donc, et pesi biso pasi makasi pour na to s'en sortir, pour na to zala un peu na moi connaissance moko approfondie. Alors makambo ngope oyo na sango ngona na bunzamba ngonyoso, bateli biso ngona malembe te. Bateli biso ngona mbutu mbutu na bipaka. Do soki oboyi na yo bundo babomio. Alo makambo ngome mi banda e banda kuna na mboka e bandela na Israel kuna pena empire Rome mobimba e boma batwe bele kuna e uta baboma 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 bango moko ba se ba se reprocher ke ndenge bako memela makambo yango te bayokani tango bayena ngo susu awa lokule za makambo e bomaka ka bato e bomi susu bakoko na biso e bele à tel point écoute ici biso kutu na colonisation à part ko boma bakoko na biso fallait basuka kaka wana ba coloniser biso les susu kaka na nzambe oyo kaka na maloba oyo kaka na sango oyo kino na mukolo na lelo colonisation ezo silati ezo silati yango vuluzi aloba ki mobix alobi nazo buka colonisation bozo zo indépendance. Kasi liberté bino moko fubo bunda bozwa yango. Asino so ingana kozwa yango abaza programme na ngai. Me bino tangu boko tikala. Po bo comprendre le kuta pe solo o ezali na na bunzambe oyo na sango oyo. Ezali mibale misatu te botanga nanu biblia en profondeur. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Ce qui est en profondeur, il y a un peu de temps pour que tu aies un peu de temps pour que tu aies un peu de temps. Parce que tu aies un peu de temps pour aza na raste aza na couleur te nazo répéter makambo ya mobikisi aza na couleur te nzamba zali abisonyoso kasi
chaque race ezali na bonzambe nango nzambe ako dépendre te ke nzambe nzambe universel non ce que zala ke bongo alope Yesu mila yakete donc tozu musala ya kotanga biblia en profondeur te malgré ba moyen nyonso bozali ko scroquer ba chef spirituel bazoko scroquer ba bandimi pour nazo ko rappeler loko ba chef spirituel ba escro hein ba ko scroquer bandimi fallait kokoma na Israël en profondeur kokota penda na muzindo ya makamango elekelaki ndenge nini yango ngai na ko na ko sepelaka mingi na les révolutionnaires son éminence Isolé Limpungwa Fidus wa Isaac azala pena chrétien solo solo kwa sala église ya 12 apôtres mais si mako koma ye moko na Israël ba pesi ba makamu ndenge zaleli tango yake mais katusa makambo ya Yesu malgré ça pena ba confusion na kati kasi le fait d'abord ya ko boya nanu lukuta nous sommes d'accord avec lui azana 50% ya vérité alors 50% bato baza autour na yeba débrier awa opena ko expliquer bino nzambe yango ya Yahweh hein na ko loba na ko décortiquer ye les sous kaka na mansweki awa poto yeba biso to ko benga nzambe ya Yahweh beto ko benga yango na ko décortiquer ngaka awa mais mutalizoele bisika zali bambote ne bele bande ko ba ko sambela ka pe l'église na bo pesa yembote ke nsumbu par la bouche émission ya mansoe ka pesu bambote pe awu mela le sous temps mulai po c'est un révolutionnaire bino ba pasteur ba escro ba talukuta ba chef spirituel lukuta bokoma ke na niveau d'isolé l'été boza batu ya lukuta mko tela mko fumo kutubila beno kedika ah sikoyo awawa to mega ki ko décortiquer bisika basale la ki christianisme o mega ki ko décortiquer bisika basale la christianisme o tangu to décortiquer na ebande buzaki na badoute ba message pe bandaki ya mabe naboyaki meme koyamba ba telephone na bino na sima na zwaki le christologue le christ le professeur Jean-Marie Salamito oyo a expliqué ki en long et en large donc na synthèse bible za eloko lukuta bunzambe moko za la kati te parce que salema ki sous la bénédiction ya empereur Constantin na complicité na ba évêque et na kati kuna bazwi ba conflit na bango nyonso ba régler yango na mukanda ba bengi biblie. Deuxième chose, la Trinité ezali lukuta. Muto a créé ki yango kombo na ye Tertullien. C'est-à-dire ezana bunzambe moko te o les trois personnages en Dieu bango nzobaza eloko moko. Metango bona kutanga bona otanga ba kombo na bango. Oh Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Depuis 2000 ans, les chrétiens croient en un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu. Et pourtant, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et ni le Père ni le Fils ne sont le Saint-Esprit. C'est incompréhensible, mais ce n'est pas contradictoire. C'est incompréhensible, mais ce n'est pas contradictoire. Tant que vous êtes là, vous avez Congo, vous récupérez la situation. Vous avez dit le Père dans l'église. Vous avez dit le Fils dans l'église. Vous avez dit le Saint-Esprit dans l'église. Alors, vous avez dit que vous avez dit Tertullien vers les années 200. Vers les années 200. Mais les lois, et combien de lois normal, et bat va aller soutenir naba verset. Alors, baka, et loko oyo na kolongola yango, na ko kepa tata, na senga molimo santu eya, po etinda kimbangu, etinda wonda, etinda suki banani 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 wana. Oza mona, place to zali ko condamne ba chef spirituel ou kuta. Alors, professeur Jean-Marie Salamito a expliqué yango en profondeur, na posa ki ba question bele, soki olanda ki video wana te, tala kaka na YouTube na biso kota kuna okomona émission wana et ça na intégralité na kata ki Jean-Marie Salamito te le grand professeur christologue spécialiste en christologie en christianisme antique de bangonde bazo ko pesa ba leçon bangonde ba créer biloko wana a palo la kia wa ezala ki mame mame
C'est ça la vérité. Il faut émission nangai et bête à cabine. Bon, finga ganga penda na profondeur. Mais tant aux autres finga, oko yoka babom. Voilà des salis bien. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. La vérité finit toujours à triompher. Solo, écoutez Kalabele solo. Et Lukuta, écoutez Kalabele Lukuta. La vérité, bombe moko, a pu détruire Riango et Zalité. Qui vivra verra. Ok. On a toujours kende ekoinda. Dans mon zambé à Kotomba Kosilika. Si quand on a fait ça, bien au moins extrait, l'interview mon copain Jean-Marie Salami. Tout le monde a ici pour me regarder la photo, pour les regarder la téléphone. Mais ce qu'on appelle Sabino, à bête à l'issue, moi et selon moi, dans le cas de même 2 ou 3 minutes, bon, mon Jean-Marie Salamito, hein, le grand professeur, à Panza Penza Makambo, juste pour quelques minutes, bon, on est là, Rousseau. Quoi, la régie, Jean-Marie Salamito. Et puis, il y a des courants dissidents. Il émerge par sa vie interne, elle est observée par un païen. Alors là, nous touchons, hein, vous soulevez un lièvre qui est important, c'est ce cliché sur le rôle de Constantin comme ayant institutionnalisé l'Église ou fixé le dogme. Constantin n'a rien fait de tout cela. Les institutions ecclésiastiques existent avant Constantin. Constantin ne les modifie absolument pas. Il n'en a absolument pas le pouvoir. D'ailleurs, il s'en moque. Enfin, il a aucune volonté de modifier les structures de l'Église. Sur le plan théologique, il est plutôt ignorant et ça ne l'intéresse pas tellement. Alors, le Concile de Nicée en 325, certes, a été réuni par Constantin, mais Constantin se moquait complètement de la question théologique qui était en débat. Et la question théologique qui est réglée en 325 se nourrit de toute la réflexion théologique des 2e et 3e siècles, une réflexion théologique antérieure à laquelle Constantin n'a strictement rien vu. Mais pour que... Il convoque le concile pour avoir une majorité et que les gens se tiennent tranquilles. Quand Constantin entend parler pour la première fois de la controverse qui a lieu en Orient chrétien sur la question de savoir si le Fils dans la Trinité, hein, quand on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, si le Fils est aussi Dieu que le Père, s'il est égal en divinité, s'il est égal en éternité à Dieu le Père. Arius pense que non, un prêtre alexandrin, il a tendance à diminuer la majesté divine du Fils ou du Verbe, du Logos, comme on dit aussi. Quand il entend parler de cette dispute, qui est une dispute théologique... Ah, on écoute dans la place. Allô, Ndekonangai, Obengi, Obengi Bissouat. Allô. Allô, allô, allô. Allô. Bonjour. Bonjour, Obengi Bissouat, Bikombonani. Je suis un peu plus de temps. Voilà, bata ma maman, bon mon ni Jean-Marie Salamito, apesi moi sens, pour bon ndima, ke makambuto ko sala awe za solo, et mindele bazana posa pe ba aider biso, pour to comprendre solo, pe lukuta ezali na niveau ni. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. La vérité finit toujours à triompher. Solo, écoutez Kalabele solo. Et Lukuta, écoutez Kalabele Lukuta. La vérité, bombe moko ya ko détruire Yango et Zalité. Voilà.
Batana ba mama tozali ko sala musala ya pamba te ke tozana na temps mingi ya kusakana alors to moni fallait ko fongola fo compte YouTube za to tie ba moyen fallait ko somba ba mega fallait ko somba ba caméra fallait ko somba ba table vidéo fallait ko somba ba matériel oyo eza ya makasi pour que bolanda biso na kitoko oyo bozoko landa ezali parce que ezali recommandation ya mobiki si alobaki tangu bino boko tikala bo tangu boko tikala bo bokota na profondeur alors cette profondeur yango to kosenga bino bo zala penza ya kolandaka emission tangu na tangu pour que musato zali kosala et de botambo pe et même na compréhension pe to za na explication oyo bana bakoki kotikala nango par rapport ya nengi zocha na confusion. Très bien. Bande ko kanga mitema na ebite na suka soki na kopesa bino chanson na bobenga. Na kanzi mission na sala ke jour wana na fungola ki telephone bobenga ki batwe bele. Me le lobo yo kanga nanu poto zana nungu makambo bele tu kukusala. Très bien. Ah wana laka ki bino na episode uti ko leka wana. Na ebisa ki bino sikoto ke na christianisme scientifique. To yeba. Mikanda oyo bakomi. Yesu azalaki na 12 apôtres. Kasi na kokoma, est-ce que ba misu bazaki ba illettré? Mais tangu tozo ko vérifier makomi, bango mutu ba mona Yesu, bango te mutu ba koma. Batu mususu mutu ba koma ki dans des salons, dans des salons, dans des salons, dans des salons. Alors, tozo ko comprendre te, allons de ko bengi so bikombo nani? Bonjour docteur. Bonjour mon frère, bengi biso wa bikombo nani? Naboma, merci beaucoup ndeko nangai. Voilà, bandeko bako benga. Bandeko bako benga. Bandeko bako benga. Comment on go black tea ndeko boma benga. Tu akola na bisona Sara TV ya boma. Très bien. Donc ba tata na ba mama il faut aux à la prudent. Alors 12 apôtres to Monica ka, mikanda ya Luc, ya Pierre, ya Matthieu, pe ya Jean. Ba misusu ba ke wa Pierre. Bah, quand vous pouvez expliquer, biso, on va dire que docteur en droit, on va dire que boy, on va dire que juge, on va dire que. A comment quitter? Bon, on a ni ni le lot bateau, bah, on va comment quitter. Il paraît que bah, on va tout comment quitter. En tout cas, nous sommes obligés de prendre un téléphone. Parce que bah, tout va bien, nous sommes obligés de prendre un téléphone. Sinon, l'idée n'a pas de bon. Ok, bon, si on a un bon, on a décortiqué. Bon, si on a un bon. Très bien. Si koyo bande komus oyo mukanda bakomi ezalake l'évangile de Pierre mais selon Pierre donc c'est dit ezoko laksa clairement que mutu oyo akomake évangile à Pierre ye Pierre akomate mais yenda ko komela selon ndenge ya yokela ki pa ya Pierre donc pour le moment mbatu oba mona Yesu bakomate selon Bible otokota selon Bible otokotanga ezoko laksa biso ke makambu oyo toko tanga bato ba mona yango bakomate. Bakomate. Awa toko yoka makambu bele bele. Mikana oyo balobi awawa. To uchi kolanda. Professeur Salami to explika biso ke. Ba seleksiona yango. Selo sentima ya empereur. Na sentima ya ba evegi na papi ya tango wana. Na l'an 325. Soko sali somation na mukuluma lelo. Biblia esali deja 1675 ans. 1675 ans. Banda Biblia otokotanga lelo awawa pasteur na ngali ya mingi pasteur even. Soka kotanga Biblia ko makambo ko expliko kanza ke lelo de Timothée ko sala yango. Neti lelo pena apôtre Jean kona linga ka fona ye. L'apôtre Jean nous enseigne. Soki pasteur Nzimba na piki ime azo palo na liloba. Mais non! Philippe loba ki azo sibo. Le na ni ebele yo bo. Do oko kanisa ke lelo nde ebele yo esai ko salema. Pasteur Mansa so ko palo na liloba. Liloba ko palo la ma. Mais non! Que je salue en passant. Bon, ce qui pasteur Petio a ramassé, a zoana Jean. Allez le côté là, yo Jean. Mais non. On a ce qui bat les côtés, si on a pasteur Peter Mpaga. A palo la penza.
lité yoyo atiagi denema nga mwanza ki na église wana na nabanga na ngipiti wana ako pesa ngipiti kuvata kuna ngandu kulu ambanza oko mona vraiment ke liloba ko pesa ma eko pesa ma liloba mukanda wana basala kyangu na sentiment ya empereur. Donc, ton seul effort, tu étudies Mukanda Oyo et Bimela qui wapi. Naba moyen de se croquer dans bandimi. Tu crois que tu es makuna te. Même dans Rome, tu as une explication. Baba n'a pas de baguette. Tu as un macambo dans le concile de Nice. Ba Afrique, ba bo, il y a un compte en profondeur. Ba y a un si réellement pensé à Zali Kamouni. Là où il y a un bimise, il y a un. Mais aussi, ma mitou, même si on m'a dit là-bas, même si on c'est petit, mais ça la tête ne fonctionne pas, mais c'est petit. Mais non! Tout ce qui est sous ma mikete, tout ce qui est sous ma tête, quand on a ceci là, que ma cambo, quand on a un tika, tu as vérifié en haut. Il y a un autre qui est comme déjà, mais c'est là-bas où tu peux expliquer. Aza, c'est un voisin à Rome, non? Bah, on va kenda à Rome. Ceux qui basent à la sang, on va kenda à Yébitatawan. C'est un fondamentaliste. Bah, on va traiter ma cambo, c'est le fondement de l'église. Chico, ceux qui ont expliqué, ils ne sont pas mis à l'eau. Ils ne sont pas mis à l'eau. Je suis un peu dimanche. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis Bino botanga ngana kota na muzindo. Bino bano tota apporte les gens a dit tout ça. Ngala tanga susté. Na ko yako tanga sus après mais pour le moment bango nanu mutu ba yela biso mukanda oyo makambo ezalo lengini. Bango na tokubande. Bino botanga ngana kota na profondeur. Katango tokubalisa na ko tanga na bino o bino botangi na profondeur wapi o ezana solo ezalo lukuta. Voilà. Alors bango moko mindele, bango moko. Après consultant le ki Mikolo bamboule leki. Ba yeko peko se rendre compte que le kouta o fale long. Il faut aller ko changer ba méthode mosusu. Yango boko mona ba mindele ba yango ba kota ki susu na profondeur. Malike prophète Simon Kimbanga lobaki et pa ina biso ba tumwini to kota na profondeur. To kota na profondeur, mais to salité. Mais bango mindele ba koti na profondeur. Ba yeko découvrir que makambo nyoso ba to kota aza le kouta. Yango prophète Simon Kimbanga lobaki le susu. Long akoya instructeur viendra des choses koteya na kokoma livre sacré. Je ne sais pas ndenge nazoko mona awawa nazoko mona devant moi on dirait 5 personnes bazoko we la ki long 5 c'est là 1 2 3 5 5 personnes babala bazana basi na bango na bana na bango ba bisubana bazana poto ba misusubana na bango bazana ba fille ya bien na mongo ya lingomba basoko weli lake bango bazali banlongi profeta alobaki longi akoya alobaki komba lingomba te alobaki kombo ya ikonde ekolo ya longi wana te voilà batata na mama siko totala biso tosala ki te rekomandasyon ya profeta tosala ki te me bango moko mindele basalaki alike profeta te ayebisaki nde biso tosala te me bango basalaki vanda kimia tala makambo lingo leka au waina kubunga pour que na revenir na sima makambo nyonso oyo koleka au ezali molayi soki chance ko sila soki chance te ko sila te pour les continuer les jours suivants soit lobby b mardi soki to kozali soso ba mega be connexion za la malamu vanda kimia na kombo ya mpungu tulendo na kombo ya mobixi na recommandation mobixi vanda otala ba découverte pe solo solo ya Bible e uta wapi e bimela wapi toza esika nini makamongoza ya solo toza lukuta soke sili bonga na kozo zwa mulanya mai cha pemeni po uya koyoka na kati mwasi ya Yesu pe akoma bey. Dans la tradition chrétienne il y a quatre évangiles mais pour les archéologues il en existe bien davantage tous dissimulés et proscrits par l'église primitive.
Que contiennent ces écritures récemment mises au jour et pourquoi ont-elles été interdites pendant des siècles? Les technologies de pointe nous dévoileront l'histoire secrète du christianisme, enfouie dans les évangiles perdus. La Bible, un texte sacré pour des milliards d'individus, plein de miracles et de mystères. Pourtant, de nouvelles percées en matière de technologie suggèrent que ces incroyables miracles reposent sur des faits. La science peut-elle faire la lumière sur la vérité qui se cache derrière les plus grands mystères de la Bible? Hiver 1886. Des archéologues français sont à la recherche d'objets dans la partie chrétienne d'un cimetière de Haute-Égypte. Soudain, ils font une découverte qui va bouleverser l'histoire du christianisme. Ils mettent au jour la tombe d'un moine enterré au 8e siècle, depuis longtemps tombé dans l'oubli. Mais la vraie trouvaille, c'est ce que le moine a emporté avec lui dans l'au-delà. Les personnes qui avaient enterré le moine avaient apparemment placé ce petit manuscrit de papyrus dans sa tombe. De cette façon, le moine partait dans l'au-delà accompagné de l'un de ses textes préférés. Ce texte contenait non pas l'évangile de Matthieu, Marc, Luc ou Jean, mais l'évangile de Pierre. Le texte se veut un véritable évangile, autrement dit un récit de première main relatant la vie de Jésus. Pourtant, son auteur prétend être l'apôtre Pierre. Pendant près de 2000 ans, tout ce que les chrétiens savaient de Jésus provenait des évangiles contenus dans la Bible chrétienne, les récits faits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Peut-il réellement s'agir d'un récit perdu de la vie de Jésus, écrit par Simon Pierre, le premier des apôtres? La découverte crée une véritable onde de choc parmi les spécialistes de la Bible. L'onde de choc se poursuit lorsque de nouveaux évangiles perdus sont retrouvés sur plusieurs sites de fouilles archéologiques. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine et même l'évangile de Judas. La découverte des évangiles perdus révèle aussi une lutte secrète, aujourd'hui oubliée, mais jadis capitale. Une lutte pour le fondement du christianisme. D'un côté se trouve un groupe fervent qui préconise une relation spirituelle directe avec Dieu et qui s'appuie sur ses propres évangiles. De l'autre, un christianisme orthodoxe qui se hiérarchise et qui ne reconnaît l'existence que de 4 évangiles. L'issue de ce conflit sera décisive pour l'avenir du christianisme. Mais à l'aube du christianisme, il n'existe aucun évangile, ni aucune Bible chrétienne. La religion chrétienne naît autour de l'an 30, lorsque quelques juifs décident de suivre les enseignements de Jésus de Nazareth. L'histoire avec un grand H se transmet à travers des histoires. C'est ce qui s'est passé avec les premiers disciples de Jésus. Ces personnes étaient pauvres, marginalisées, et ne savaient très certainement ni lire ni écrire. Elles ont donc fait comme tout le monde. Elles ont raconté des histoires. Les gens parlaient entre eux. Toi qui as connu Jésus, que t'a-t-il dit lorsque tu l'as rencontré? Est-ce que tu as fait route avec lui? Tu te rappelles ce qui s'est passé? Moi j'ai entendu dire que... Les récits de la vie de Jésus n'ont pas été écrits avant des décennies. Les spécialistes pensent que le tout premier évangile, celui de Marc, a été rédigé autour de l'an 70, 40 ans après la mort de Jésus. Mais ce n'était pas le seul. En l'an 200 après Jésus-Christ, ces écritures ne se résumaient pas à 4 évangiles. Il pourrait y en avoir eu près de 50. Ils étaient intitulés l'Évangile de Philippe, l'Évangile des Hébreux ou encore l'Apocalypse de Pierre. Certains de ces écrits ont été mentionnés par des auteurs antiques, mais jusqu'à récemment, ils semblaient avoir tous disparu. Que leur est-il arrivé? Et pourquoi n'y a-t-il que 4 évangiles de nos jours?
La réponse tient davantage de la politique que de la religion. La Bible n'est pas tombée du ciel. Elle a été élaborée par des penseurs chrétiens qui représentaient un point de vue bien spécifique. Ce qui est surprenant, c'est que la Bible chrétienne telle qu'on la connaît n'est vraiment née que 300 ans après la mort de Jésus. Et l'homme qui en a déterminé le contenu avait des intentions très concrètes, qui n'avaient que peu de rapport avec la religion. En l'an 312, un empereur romain du nom de Constantin, un païen qui croit en plusieurs dieux, prétend avoir eu une vision de la croix avant une bataille. Après sa victoire, il se convertit au christianisme et en fera même une religion d'État semi-officielle. Constantin veut exploiter cette nouvelle religion afin d'unifier un empire romain qui se désagrège. À cette époque, le christianisme est une religion très peu organisée, composée de communautés aux croyances diverses et qui se base sur des textes différents. Une situation que l'empereur veut changer. Constantin a compris que les chrétiens manquaient sérieusement d'organisation. Et s'il y a bien une chose que les Romains savaient faire, c'est organiser les choses. En 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin convoque le concile de Nicée pour définir les principes fondamentaux du christianisme. Il réunit les dignitaires chrétiens les plus influents pour discuter de la manière d'établir un dogme officiel. Il est intéressant de noter que ce que l'empereur cherche avant tout, c'est l'unité. Il veut que la religion chrétienne fournisse une base idéologique à l'Empire. Le but du concile convoqué par Constantin est d'uniformiser la foi dans une visée aussi bien religieuse que politique. Après des semaines de débats, les différents évêques et prêtres conviennent d'un ensemble de principes destinés à unifier les communautés chrétiennes et à placer fermement la religion sous le contrôle de l'empereur. Il a alors fait usage de son autorité et il a dit à tout le monde, voilà, nous y sommes. Les choses changent radicalement sous Constantin. On assiste à une redéfinition complète de la notion de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu est le protecteur de l'État, et l'État va ensuite utiliser la religion à ses propres fins pour s'unifier, parce que sans unité, il est très difficile de gouverner. Constantin veut aussi faire de l'ordre dans les Écritures, et ne conserver que celles qu'il considère comme adaptées à cette nouvelle religion d'État. Si le Concile de Nicée ne décide pas officiellement du contenu de la Bible chrétienne, Constantin fait clairement comprendre quels évangiles il juge acceptables. Il ordonne la création de 50 exemplaires d'une Bible chrétienne, qui contient uniquement les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Que sont devenus les autres évangiles? En l'an 382, un autre concile de l'Église en interdit littéralement la lecture aux chrétiens. Sous le règne de l'empereur chrétien Théodose, tous les autres évangiles sont considérés comme hérétiques. Ils sont interdits ou enterrés, et leurs propriétaires sont arrêtés et parfois exécutés. Il existait de nombreux autres textes auxquels des chrétiens profondément croyants étaient très attachés. Pendant très longtemps, ces gens ont lu ces textes, jusqu'au jour où des évêques leur ont dit « Tu ne liras pas ceci, mais tu liras cela ». Que contenaient ces évangiles perdus ? Pourquoi étaient-ils considérés comme dangereux au point de devoir être interdits ou détruits ? Pendant près de 2000 ans, personne ne l'a su. Mais en 1886, l'évangile de Pierre surgit des sables du désert égyptien. D'autres découvertes stupéfiantes suivront au cours du XXe siècle. Les évangiles de Thomas, de Marie-Madeleine ou de Judas. Ces évangiles perdus, dits apocryphes, donnent une vision inédite de Jésus. Ils offrent une approche différente de la spiritualité et révèlent l'existence d'une doctrine disparue du christianisme qui a un jour menacé les fondements de la foi chrétienne elle-même. Pendant près de 2000 ans,
les chrétiens ont cru que seuls 4 évangiles racontaient l'histoire de Jésus de Nazareth. En 1886, l'évangile de Pierre est le premier évangile perdu à être retrouvé depuis des siècles. Cette découverte suggère l'existence d'une histoire secrète des Écritures interdites. En 1945, une découverte remarquable permet d'exhumer un vaste ensemble d'évangiles perdus. Ces textes vont conduire à réécrire toute l'histoire du christianisme. En Égypte, près d'une ville appelée Nag Hammadi, des paysans déterrent une jarre en argile, renfermant des manuscrits vieux de 18 siècles. La jarre contient 52 textes différents, intitulés « Les actes de Pierre », « L'Apocalypse de Jacques » ou encore « L'Évangile de Thomas ». Ces textes sont de véritables évangiles perdus. Ils ont été mentionnés par certains auteurs de l'Antiquité, mais ont sans doute été mis à l'index quand Constantin a décidé de réglementer la nouvelle religion en l'an 325. Jusqu'à ce jour, ces écritures n'étaient qu'une légende. L'évangile de Thomas est peut-être le plus surprenant de ces textes perdus. L'évangile de Thomas est un document fascinant. C'est un texte qui a été traduit du grec en langue copte et qui est composé de paroles de Jésus. On retrouve une bonne partie de ce qui est dit dans l'évangile de Thomas dans le Nouveau Testament. La seule différence, c'est que l'évangile de Thomas est un évangile gnostique. Les gnostiques formaient une secte des premiers siècles du christianisme qui mettait l'accent sur le mysticisme et qui refusait bon nombre des préceptes de la hiérarchie chrétienne naissante. Pour les gnostiques, le salut venait d'une connaissance secrète. Était un vrai disciple de Jésus celui qui accédait à cette connaissance. Gnosis est un terme grec qui signifie connaissance. Gnostique veut dire celui qui sait. Les gnostiques étaient avant tout des mystiques. Et s'ils pouvaient accéder à cette paix de Dieu, à cette véritable humanité à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'avaient absolument pas besoin de prêtres ni d'évêques. Ils pouvaient très bien s'en passer. Dans l'évangile de Thomas, Jésus semble transmettre un message étrange, un enseignement secret bien différent de celui des évangiles canoniques. Les évangiles traditionnels nous enseignent que Jésus est le seul Fils de Dieu. L'évangile de Thomas suggère que nous pouvons tous devenir des fils de Dieu. On y lit : quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père qui est vivant. En d'autres termes, si Jésus peut être considéré comme fils de Dieu, alors nous aussi, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Il n'a rien que nous ne puissions pas avoir. Nous pouvons avoir la même relation avec le divin, nous pouvons faire un avec Dieu. L'évangile de Thomas préconise une relation personnelle avec Dieu, sans passer par des églises organisées, des prêtres et des évêques. De nombreux prêtres et évêques s'offusquaient de ces gnostiques qui faisaient les choses à leur manière, qui entretenaient un lien direct avec Dieu. Tout ça passait très mal auprès des autorités de l'Église. Et c'est peut-être pour cela que l'évangile de Thomas a été considéré comme une hérésie. L'indépendance des croyances gnostiques fragilisait la hiérarchie de l'Église. Les gnostiques jugeaient leurs propres évangiles tout aussi fondés, sinon plus, que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et dans le cas de l'évangile de Thomas, ils avaient peut-être raison. Lorsque ces évangiles gnostiques sont découverts en 1945, un problème délicat se pose. L'évangile perdu de Thomas pourrait être plus vieux que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Il y a un débat parmi les spécialistes concernant la datation de l'évangile de Thomas. Ce que nous savons, c'est qu'il existe des papyrus grecs très anciens de l'évangile de Thomas. Il semble que certains fragments de cet évangile soient extrêmement vieux. En fait, certains fragments de l'évangile de Thomas pourraient remonter au tout début de l'Église. La plupart des spécialistes pensent que les quatre évangiles traditionnels ont été écrits dans la génération qui a suivi la mort de Jésus, 40 à 60 ans après les événements. Mais l'évangile de Thomas pourrait être plus ancien, compte tenu de sa forme plus simple. La différence entre l'évangile de Thomas et ceux du Nouveau Testament, c'est que l'évangile de Thomas ne contient que des paroles de Jésus. Il ne contient aucun miracle ni aucune histoire de la vie de Jésus. Le fait que cet évangile ne soit qu'un recueil des paroles de Jésus pourrait indiquer qu'il est plus ancien et que les éléments narratifs contenus dans les autres évangiles ont été écrits plus tard. Si l'évangile de Thomas est vraiment plus ancien que les quatre évangiles canoniques, cela signifie-t-il qu'il est plus fidèle au message de Jésus? Et si c'est le cas, cela veut-il dire que la Bible chrétienne est incomplète? Pour tenter de le savoir, il s'agit de déterminer la date exacte à laquelle l'Évangile a été rédigé. À l'Institut conservatoire des musées de la Smithsonian Institution, une équipe de spécialistes et de scientifiques est chargée de découvrir les secrets que renferment les documents anciens. Nos scientifiques, un peu à la manière de détectives, examinent ces documents à l'aide de différents outils afin de déterminer précisément leur nature et d'où ils proviennent. Les scientifiques cherchent des indices qui permettraient de dater l'évangile jusque dans le papier et l'encre utilisée. Parfois, j'ai l'impression d'entrer dans la tête de celui qui a réalisé le document. Un conservateur doit en quelque sorte être capable de remonter le temps. Vous avez un objet qui est devant vous, il vous est parvenu dans un état bien précis, et il faut que vous déterminiez tout ce qui lui est arrivé. L'évangile de Thomas retrouvé à Nag Hammadi a fait l'objet d'une datation au carbone 14. On a ainsi découvert que le manuscrit remontait à une période comprise entre l'an 300 et l'an 400. Les plus vieux manuscrits des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean proviennent à peu près de la même période. Mais les spécialistes s'accordent à dire que tous ces évangiles sont sans doute des copies de textes bien plus anciens. Car des auteurs antiques y font référence autour de l'an 150. Il est difficile de dater précisément l'évangile de Thomas et sa datation est sujette à controverse. Est-il plus ancien et plus fidèle que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean? Tant qu'une copie plus ancienne n'aura pas été découverte, cela restera un mystère. Mais quel que soit son âge, l'évangile de Thomas révèle un conflit entre deux camps au sein du christianisme. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont les étendards de l'Église traditionnelle, mais une tradition veut que les gnostiques aient eu l'appui de Marie-Madeleine elle-même. Pendant des siècles, les chrétiens ont cru que seuls quatre évangiles rapportaient la vie et le message de Jésus de Nazareth. Mais cette croyance est balayée à la fin du 19e siècle, avec la découverte des premiers évangiles perdus. L'un des plus fascinants de ces textes oubliés est retrouvé en Égypte en 1896. Et l'auteur de cet évangile a de quoi surprendre. Cet évangile a été écrit au nom d'une femme, et pas n'importe quelle femme, mais Marie-Madeleine. On ne parle pas de la Marie-Madeleine qui a joué un rôle dans la Bible, de la prostituée repentante. Il s'agit de Marie-Madeleine, la disciple bien-aimée, celle qui a fait partie des proches de Jésus. Seuls quelques fragments subsistent, mais ils mettent en évidence l'importance qu'a eue Marie. Si l'évangile de Marie est authentique, cela signifie que les femmes ont un jour joué un rôle de première importance dans l'Église chrétienne. Cela veut dire que Marie-Madeleine n'était pas une ancienne prostituée, mais qu'elle était à la tête des apôtres. Et dans une religion dominée depuis des siècles par les hommes,
Cela signifie que l'évangile le plus important est attribué à une femme. L'évangile de Marie rapporte en détail les enseignements que Jésus transmet secrètement à Marie. Des enseignements qui portent sur la vie, la mort et le paradis. Dans cet évangile, Jésus révèle à Marie certaines choses au sujet de la vie après la mort en des termes profondément gnostiques. Dans les quatre évangiles traditionnels, la vie après la mort est décrite comme un paradis de béatitude. Mais dans l'évangile de Marie, la vie dans l'au-delà implique un étrange voyage de l'âme après la mort, au cours duquel le défunt rencontre des créatures angéliques et démoniaques pendant l'ascension de l'âme vers le ciel. Jésus ne révèle ce secret qu'à Marie. On lit dans le texte que Pierre, le premier des apôtres, réagit violemment en entendant une telle révélation. Pierre dit : « S'est-il réellement adressé à une femme à notre insu ? Devons-nous nous tourner vers elle et tous l'écouter ? L'a-t-il préférée à nous ?» Les apôtres ne tiennent pas compte des réserves de Pierre et soutiennent Marie en disant : « Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter ?» Ce qu'il est important de noter, c'est qu'il y avait un lien de type spirituel entre Marie et Jésus. Marie était considérée comme une personne perspicace, influente, quelqu'un qui savait motiver les autres. C'était là son véritable don. Elle comprenait l'esprit de Jésus et elle a su communiquer cela. Cet évangile nous donne un point de vue très différent du message de Jésus et il présente Marie-Madeleine comme celle qui comprend ce point de vue bien mieux que tous les autres disciples. Mais s'agit-il d'un véritable évangile? Est-ce vraiment le témoignage direct de Marie-Madeleine? Si c'est le cas, cela pourrait bouleverser l'histoire du christianisme et apporter une vision radicalement différente du rôle des femmes dans l'Église chrétienne. La clé réside dans la datation de ce texte. Est-il plus ancien que les quatre évangiles canoniques? Et peut-il avoir été écrit par Marie-Madeleine elle-même? L'évangile de Marie a été découvert en 1896 à Akhmim, en Égypte. Une datation au carbone 14 nous apprend que le texte a été copié au 5e siècle. Mais au fil des années, des fragments de l'évangile de Marie ont été exhumés dans d'autres régions d'Égypte, et ils sont bien plus anciens. De nouvelles avancées technologiques peuvent permettre d'affiner la datation des plus petits fragments d'un texte ancien. En se servant d'un microscope 3D, les scientifiques peuvent examiner les fragments dans les moindres détails afin de déceler des indices permettant de les dater. À ce niveau de détail, un morceau de papyrus moderne ne ressemble en rien à un manuscrit ancien. Si ce papyrus avait 2000 ans, la surface ne serait pas aussi brillante. Elle serait bien plus mate, parce que les fibres seraient usées. Et cela aurait créé comme des poils, un peu comme sur du daim. Des tests de ce type ont permis de dater très précisément les plus vieux fragments de l'évangile de Marie. Ces fragments ont été rédigés autour de l'an 200. La langue et le vocabulaire employés suggèrent aussi que cet évangile a été écrit au 2e siècle et non du temps de Jésus. Il est donc très peu probable que Marie-Madeleine ait écrit l'évangile qui porte son nom. La plupart des spécialistes pensent qu'on doit sa création à un chrétien gnostique du 2e siècle qui voulait invoquer l'autorité d'une femme apôtre. On ignore qui a rédigé ce manuscrit, mais beaucoup pensent percevoir dans ce texte la voix et le point de vue d'une femme. Il est possible qu'enfin, on nous donne à entendre une voix qui est étouffée dans les autres évangiles. Le plus important peut-être, c'est que l'évangile de Marie révèle l'existence d'un conflit au sein de l'Église primitive au sujet du rôle des femmes. L'autorité exercée par les femmes dans les premiers siècles de l'histoire chrétienne est un thème passionnant à étudier. Et l'évangile de Marie témoigne de cette autorité. Le fait que Marie exerce une autorité tout en étant une femme est un concept révolutionnaire dans l'Église primitive.
L'existence d'un évangile de Marie indique qu'il y avait des groupes tels que les gnostiques qui étaient bien plus ouverts à l'idée d'intégrer les femmes dans leur communauté pour qu'elles en deviennent des membres à part entière. Certains membres de l'Église orthodoxe qui émergeaient à cette époque s'en plaignaient. Ils se disaient, quoi, il y a des femmes qui administrent les sacrements? Il y a des femmes ordonnées parmi les gnostiques? Quelle honte! Les gnostiques, eux, ne voyaient aucune honte à cela. Le fait qu'il existe un évangile de Marie est parfaitement en accord avec leur doctrine. Si l'évangile de Marie nous offre le point de vue des gnostiques sur les femmes, un autre évangile gnostique prétend présenter le récit de Pierre, le premier des apôtres. Il semble révéler le secret de ce qui s'est réellement passé lors de la résurrection de Jésus. En 1886, lors de fouilles en Égypte, des archéologues français exhument une ancienne tombe chrétienne qui recèle un trésor extraordinaire. Entre les mains d'un moine du 8e siècle, se trouve un manuscrit intitulé « L'Évangile de Pierre ». C'est l'un des tout premiers évangiles perdus à être découvert. S'agit-il vraiment d'un récit perdu de la vie de Jésus, écrit par Simon Pierre, le premier des apôtres ? Si tel est le cas, cela changerait l'histoire du christianisme, car l'évangile de Pierre nous livre une version bien différente de la vie de Jésus. Ce texte est très précieux et très intéressant. Il contient une histoire ancienne, mais une histoire complètement différente. Dans l'évangile de Pierre, les Romains sont étonnamment sympathiques. On y lit que Jésus n'a pas souffert sur la croix. Mais ce qu'il y a de plus frappant, c'est que l'évangile de Pierre est présenté comme un témoignage direct de la résurrection elle-même. C'est le seul évangile que l'on connaisse qui tente de raconter ce qui s'est passé pendant la résurrection. Tous les évangiles de la Bible évoquent ce qui s'est passé après la résurrection, à partir de la découverte du tombeau vide. Mais ils ne nous parlent pas du moment de la résurrection elle-même. La description commence le troisième matin qui suit la mort de Jésus, alors que des soldats romains gardent le tombeau du Messie. L'évangile de Pierre raconte « Le tombeau s'ouvrit et les soldats le virent car ils montaient la garde. Et comme ils expliquaient ce qu'ils avaient vu, ils virent trois hommes sortir du tombeau. » Ils voient deux hommes sortir en soutenant un troisième, Jésus vraisemblablement. Puis une voix grave se fait entendre et dit « As-tu prêché ? As-tu prêché à ceux qui sont morts ?» La résurrection prend fin lorsque Jésus et les deux hommes s'élèvent vers le ciel, tandis que les témoins regardent abasourdis. L'évangile se termine par une phrase qui présente le récit comme un témoignage direct de l'apôtre Pierre lui-même. Ce texte peut-il être réellement l'œuvre du premier des apôtres, le premier pape? A-t-il été rédigé à la même époque ou plus tôt que les quatre évangiles traditionnels? S'agit-il d'un récit plus tardif, d'un faux récit, qui se serait lui-même fait passer pour un témoignage de Pierre? Les données archéologiques ne sont pas claires. Le manuscrit découvert en 1886 a été daté du 8e siècle, soit 7 siècles après la mort de Jésus et de l'apôtre Pierre. Des fragments ont été retrouvés sur d'autres sites. Ils remontent environ à l'an 500 et ne peuvent donc pas avoir été écrits directement par l'apôtre. Mais l'évangile a été mentionné par les premiers auteurs chrétiens. Un évêque dans l'actuelle Turquie a cité nommément ce texte autour de l'an 190. On peut donc faire remonter cet évangile jusqu'au 2e siècle, mais pas davantage. Selon toute vraisemblance, le texte a été composé au début du 2e siècle. On pense qu'il date du début du 2e siècle parce qu'il contient des éléments des quatre évangiles canoniques. Les histoires racontées dans l'évangile de Pierre sont si proches de celles des autres évangiles qu'il semble probable qu'elles aient été simplement copiées.
Quiconque a écrit cet évangile au IIe siècle a prétendu qu'il s'agissait de l'œuvre de l'apôtre Pierre afin de lui donner plus d'autorité. Dans le monde antique, c'était une pratique courante. Quand quelqu'un voulait faire part d'une idée qu'il croyait être vraie ou qu'il voulait à tout prix transmettre aux premiers chrétiens, il ne le faisait pas dans sa propre voix, mais à travers la voix d'une autre personne qu'il considérait comme faisant autorité. À cet égard, l'évangile de Pierre n'est pas un texte authentique, mais un faux. Cela nous amène à un point important et troublant. Si l'évangile de Pierre n'est pas authentique, alors ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean ne le sont sans doute pas non plus. On ne sait pas qui sont leurs auteurs, mais ces évangiles ont été rédigés au nom de Matthieu, Marc, Luc et Jean, parce que c'étaient les grandes figures du passé. Mais c'est un fait, ils n'ont très certainement pas été composés par Matthieu, Marc, Luc et Jean. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que même les quatre évangiles canoniques n'ont pas été écrits par les apôtres dont ils portent le nom, mais par des disciples de ces apôtres. Si les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont en fait pas été écrits par les apôtres, cela signifie-t-il que l'évangile de Pierre ou l'évangile de Marie peuvent être considérés comme tout aussi authentiques? La réponse à cette question reste floue pour les historiens. Mais certains éléments contenus dans l'évangile de Pierre laissent penser qu'il ne peut pas être le témoignage de quelqu'un, et encore moins de l'apôtre Pierre. Le texte nous livre un contenu douteux. Dans la scène de la résurrection, Jésus et les deux anges sont décrits comme s'étirant au-delà des cieux. Et derrière Jésus, la croix émerge du tombeau et parle. L'évangile dit « Ils entendirent une voix venue des cieux. As-tu prêché à ceux qui se sont endormis ?» Et la réponse vint de la croix « Oui ». L'évangile de Pierre était bien trop fabuleux. Ces hommes immenses dont la tête dépasse les cieux et cette croix qui parle, tout ça était bien trop gros pour que qui que ce soit y croie. L'Église primitive recherchait la simplicité et la sobriété. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'évangile de Pierre n'est pas reconnu comme tel lors du concile de Nicée convoqué par Constantin. Pourtant, des groupes de chrétiens fervents continuent d'y voir un texte sacré, au point de le placer dans la tombe d'un moine autour de l'an 700. J'aime à penser qu'il y a eu un moine qui s'est accroché à ce texte, non seulement sur Terre, mais aussi dans l'au-delà. L'évangile de Pierre est découvert en 1886. C'est l'un des premiers évangiles perdus à être retrouvé. La plus récente découverte d'évangiles apocryphes ne date que de 2006. Un texte qui provoque immédiatement la controverse, car il aurait été écrit par celui qui a trahi Jésus, Judas. La découverte d'évangiles perdus au cours du XXe siècle a changé notre compréhension de l'histoire du christianisme. Mais l'un de ces textes récemment découverts met en doute les fondements même des croyances chrétiennes traditionnelles. En 2000, un manuscrit en papyrus est racheté à un marchand d'antiquités égyptien. On pense qu'il aurait été à l'origine retrouvé près de Nag Hammadi, où ont été mis au jour les premiers évangiles gnostiques. Il est identifié comme l'évangile de Judas. Judas Iscariote. Quand l'évangile a été publié, on a lu partout que Judas était en fait un héros. Il n'était plus celui qui avait trahi Jésus, comme on le décrivait dans les évangiles bibliques, mais celui qui était loué dans les cieux parce qu'il avait simplement accompli la volonté de Dieu. Dans le récit qui est traditionnellement fait de la crucifixion, Judas livre Jésus aux Romains. Dès lors, il est considéré comme un traître. Mais dans l'évangile de Judas, la trahison devient une histoire de sacrifice personnel.
Dans ce texte, Jésus voit en lui le plus sage des apôtres. Tout tourne autour de la relation entre Jésus et Judas. Judas est vu comme un disciple très particulier. Il est celui qui reçoit l'enseignement, il est celui qui semble comprendre le mieux qui est véritablement Jésus. Jésus dit à Judas qu'il ne sacrifiera que son enveloppe charnelle aux Romains. Lui-même échappera à la crucifixion et retournera au royaume spirituel. Cela indique clairement que l'évangile de Judas est d'origine gnostique. Pour les gnostiques, Jésus n'était pas vraiment humain. Il avait simplement une apparence humaine. C'était un esprit, si on veut. L'idée fondamentale du gnosticisme, c'était de se débarrasser de cette enveloppe, de ce vêtement, de cet élément humain, de façon à pouvoir retourner à cette forme pure d'esprit. L'évangile de Judas opère un remarquable renversement par rapport aux évangiles chrétiens canoniques et déclenche immédiatement la controverse, dès sa publication en 2006. S'il s'agit d'un authentique évangile, écrit par Judas, cela bouleverserait l'histoire et la théologie chrétienne. L'idée qu'il puisse exister un évangile de Judas Iscariote a quelque chose de tellement provocateur que beaucoup de gens se sont posé des questions. Est-ce que ce texte pourrait être un faux ? Théoriquement, quelqu'un qui aurait un sens de l'humour diabolique ou qui voudrait jouer un tour au monde entier pourrait très bien prendre un papyrus ancien, composer un texte et piéger tout le monde. Pendant des semaines, l'évangile de Judas a été soumis à un examen minutieux. Malgré sa source inhabituelle, les experts en ont conclu que le document était bien authentique, mais qu'il n'était sans doute pas aussi vieux que les évangiles traditionnels. Les spécialistes estiment que le manuscrit de l'évangile de Judas date d'une période comprise entre l'an 280 et l'an 330, soit près de 300 ans après la mort de Judas. De toute évidence, ce texte n'est pas un témoignage direct et a été composé après les quatre évangiles canoniques, au cours du IIe siècle. Mais la création de l'évangile de Judas souligne le conflit croissant entre les chrétiens gnostiques et l'Église traditionnelle autour de l'an 300. En écrivant cet évangile et en l'attribuant à Judas, on amène les gens à penser tous ces personnages différemment. Cela change radicalement la donne, tout est renversé. En accordant un peu moins d'importance aux apôtres et en donnant davantage à Judas, les choses sont complètement repensées. L'évangile de Judas est une critique très vive de l'Église et de ses racines apostoliques. En utilisant la voix de Judas, l'auteur gnostique anonyme veut frapper les croyances chrétiennes orthodoxes en plein cœur. Alors que les chrétiens gnostiques multiplient les provocations, les autorités de l'Église orthodoxe commencent à organiser leur riposte. Je sais que 3-4 épisodes de Tikali pour la conclusion sur la décision de la consul de Nice. Bouyoki. Nous avons sélectionné qui Mikanda, Jida Komaki, Balongoli. Parce que Jida Kota qui est en profondeur, il y a des commis du Nouveau Testament dans la Bible, il y a taillé sur mesure. Il y a des gens qui ont menacé. Non. Thomas Komaki, Jida Komaki, moi Yesu Komaki. Alors, les Kambouya, moi Yesu Zali Kobarde, il faut que tu aies un mouzindo, tu aies réellement Yesu Abota, tu aies un abota. Vous allez avoir un contact qui est un peu plus de temps. Il y a Bazali, Bazalaki na end. Alors, il faut que tu aies précision. Il y a moi si Yesu na bana na Yesu landenge nini toko luka ba nani bazana connaissance wana na end wana poto zo ba précision donc quand on a mission au poto koma suna end poto kende ko fouiller moi si ya Yesu ndenge batangi ala ba chercheur ke akoma
Marie Magala, moi si à Yesu Akoma. Il m'a cambouana, Constantin, allons-moi la yango. Thomas Akoma, allons-moi la yango. Jida Akoma, allons-moi la yango. Jacques Akoma, Oyo pe mwanda mbaba batie oba lokota ki wana ba sélectionné yango ba sélectionné yango na ndenge ba sentiment na bango zali ko pese en tenant compte ya avi ya Arius o ya lingaki ki ko soutenir idée ya Tertullien ke mukumo les trois personnages andie bandima yango pe na idée ya évêque Alexandrie o ya lobaki ke bandima pe ke Yesu aza nzambe. En tenant compte, il y a Babylone qu'on y en souana, bah mettre ensemble, bah sali credo, le credo qui montre que la profession de foi d'engagement, monta violer bangagne, c'est un engagement tout ça là na ime. Ima comme meka kutu kofunda dans son bouté. Ima comme meka susu kotumbo dans son bouté, engagement ime azua, c'est quoi bah credo wana. Dans un exemple, bah credo. Bon, il y a une institution pour banga na yime. Azwa ba engagement contre un individu. Tozo ba credo. Credo ba signa ba corps ba imposo ba imana oluba wana. Ba ziza ba mbala, hein, ba iba Salomo ba zalawa. Ba mna oluba wana. Ba zalawa ba Salomo ba vie zino ba zalawa. Aza ba vie maima ba zalawa. Sona lo chete me to le mystique. Sa ba engagement ba credo. Sa ba credo. Tu me l'europe le ka kuna conseil le nice yango wana. Ba zi ba engagement de ne pas violer ça. Credo. Pour yoki documentaire, ce qui n'a pas dit que tu as fait, c'est que tu as sans que tu aies fait les gens. Tu as fait ce que tu as fait. Tu as fait ce que tu as fait. Tu as fait par rapport à la vidéo. Voilà. Merci beaucoup, ma maman. Je suis vraiment vraiment kitoko pe bo sepeli mingi na makambo ndenge to kenango to uti koyeko la vraiment essentiel sur la chrétienté. La Bible et la Trinité. Oyo, ils ont le troisième épisode. Puis je sais que la semaine prochaine, tu couyas qu'au sili, c'est le quatrième épisode. Oh, tu couyas qui s'abassango, bah évêque, bah iblou, quoi, belé. So qui chance, tinde langai vidéo na yo, na numéro langai oyo za awawa, même na Facebook, tinde langai vidéo wana, même na YouTube, tinde langai vidéo wana, compte langai wana. Na ko visualiser yango par rapport yo ko za nango ba connaissance na makambo mais makambo nyoso na lobby apprendre ou à laisser bo bato ba yako yebela ngotina na oyo banan bazana bandako na ba berso o bazana mabeli na ba mama bazana se yavunga bangonde ba yebela ngotina mais na bino ne bo sokola nanga boye bo kotika la ko comprendre na ntepo mitu e beba bino na colonisation. Donc, quand on a lobby, bino boyo jika kakuna bosa la banalize, ba injir, ba nini, boko tika la ko comprendre, yango tese boko pomba eglise na bino, boko pomba makamu na bino, boko tika, ba intere na bino, boko tonge la banda, boko la batamu na ba jeep, na kombo ya Yesu. Ba engra, mitema mabe, nanu bo kenda na familia Maria, tebo lukata chasa sike bwene ko pesa. Yo kota la ngayi yo, yo kota la ngayi, reverend pasteur, Yesu atika familia, zakuna na bete, ba benga bango ba armenien, Mukoloni ne kiko rendre bango visite. Même na tombe à Jésus tata fleur. Même là où le tombeau est vide, allez besoin de fleur. Kebiso paroisse qui kedi. Na kimpese to na bomba to wapi te place ma bague là Jésus, tala signe na biso yango. Ba engra, mitema mabe, miyibi, ba escro. Wa. Bondi manak traité bino ndenge wana po bo silika, bo kota siko na profondeur. Alors, on a bien échangé. Na agi na bino, bako yebisa bino ke toke na lola. Boza na pasi awa, bo bilebi sengweza na lola kuna, bozo bondimi. Na agi na biso, ba yebisi biso ke, Yesu akoya, ako tellement suspense, asambi sa 6 milliards de personnes, ma beba ke kuna, ya malamu amemi bango enlèvement, ake na bango na lola. Là où ya des esprits, me yako sambi sa, batu oyo bazana mai na makila. Na age na biso ba yebisi biso mutu azana mai na makila amata na lola na nzambala na ye kuna toilette zake ba nzoto oyo eliaka emelaka esumbaka esubaka esokolaka kuna ba esprit bazali nzoto modele oyo ke kuvanda kuna na age na biso to chango na mutu pe tozo defendre yango pamba tete bimina no na mulongo na banyama te na to bimina mulongo banyama te tuzana no banyama. Merci beaucoup papa Daniel. Awande emission na biso ko sukela ekoya ko suka
na kosukisango na mwafi nostalgie na révolutionnaire isolé le mpungu wa fiduswa Isaac mutu oyo l'unique sérieux pasteur du Congo oyo azala chrétien na ki chrétien na ye a renoncé pe a bwaki yango a koti na chemin wa kota ki wana malgré ezana ba complications chemin kota ki mais l'essentiel ya ko boya na no chrétienité lukuta il y a tout ce qui se passe il y a tant sur mon anan révolutionnaire du moment depuis y a zali révolutionnaire du moment ils ont isolé les années d'isolé donc le patron de la génération c'est lui qui a bravé la paix il y a quoi quand on la bagamboa le kuta on m'a quand même Jacques Manuel tac tout ça tout ce qui se passe il y a na dernière culture à Salaki avant à jeter ma responsabilité na ma responsable à Sika tout à la petite ce qui se passe quand on appelle ça bino bénédiction tango na kosukisa na bénédiction na kopesa bino nde muta désolé les révolutionnaires les patrons du moment yende a ko mona ye pe na na yeka to clôturer ma mnyoso tika li pamboli en pour tous la kati na bino tika pour tous les la nzambe na bino tika pour tous les ndo afongo la bino mitu ba cerveau et ça là tika pour tous les ndo azong alliance o ya sala makoko na biso na kombo ya komba na kombo ya mibixi na kombo ya batinda minyoso wa uche pa ya mpungu tolendo tika ba buka colonisation tika ba buka domination tika ba buka mikakatono nyoso ekangi bayindo po bayindo ba comprendre pe ba fonga bisika bazali na nzela ya mobixi simoki mbangu o mi pesa ki pote makambo e fungama po biso to benga mabatu po biso to zwa independence pe na kombo ya komba to kosengela yango pe na kombo ya mpungu tolendo nzambe na biso o esambla makoko na biso to sengi yango tika zala ko pamba ma pamba te senga mena kondima pe na kombo na ye esenga meli mayangi merci beaucoup l'équipe technique merci beaucoup la bienvenue sur la lingai mansomatikali les révolutionnaires les patrons du moment ils auraient l'impôt à faire du soir ciao I'm